Yorana vai estar todo parelera que ye pui api. Arimea te tap on o terufo. Terufo yarhei. Je demande au public, à tous les représentants, s'ils peuvent éteindre leur vini. Parce que je vous assure, c'est vraiment désagréable de parler lorsque les vini sonnent. Je le représentant de l'État, Farimete Tapono Terufo Terufo Yarhei. Madame et Messieurs le député, Farimete Tapono Terufo Terufo Yarhei. Monsieur le Président du CESC, Terufo Yarhei. Monsieur le Sénateur, Terufo Yarhei. Mesdames et Messieurs les représentants du pays, Terufo Yarhei. Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués qui ont répondu présents, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée, Monsieur le Sénateur Daniel Milot, Terufo Yarhei. Le public, Terufo Yarhei. La séance est reprise. Elle a été suspendue lundi dernier. Sur les modalités relatives à l'élection du président du pays, je vous indique que la conférence des présidents qui s'était réunie vendredi 25 février, en présence du représentant du Tahuera Huidatira, du groupe Teara et de l'UPLD, a décidé de fixer le temps d'intervention de chacun des deux candidats à 1h30 maximum. Il a également été convenu que nous allons procéder à un tirage au sort pour fixer lequel des deux candidats va intervenir en premier, à l'unanimité des représentants présents ce jour-là, donc des présidents de groupe présents. Cette décision a été prise. Je vais donc inviter les deux secrétaires de séance, Madame Cathy Tuichobuya et Monsieur Georges Anderson, à montrer le Oumete, un Oumete marquisien, en tau, et les noms des deux candidats pour que l'on puisse procéder au tirage au sort. Veuillez plier donc, voilà, Monsieur Gaston Tongsong et Monsieur Oscar Temaru. Plier et Madame. Pliez bien, mélangez bien, fermez les yeux et l'on tire au sort. Je crois qu'on est tous d'accord hein, sur ces modalités, hein, sans problème. Hein. D'accord, vous procédez au tirage. Qui donc est en premier? Donc, je demande à Madame le Secrétaire Général de donner lecture des candidatures déposées. Alors, Monsieur le Président, nous avons enregistré deux candidatures, celle donc de Monsieur Oscar Temaru et de Monsieur Gaston Tongsong. Voilà, Monsieur le Président. Oscar Manu Temaru, Tawana de Fa, président du Tavini et de l'UPLD, vous avez la parole. Yoranat mohui manat o te whenua i tupu i tatou, de ti au te whrani, tēnā atu i tō tatou mō iriti ture, iriti tini o tapu rārhei, iriti tini o te pia matutu ti arau, tu mō ti a mana e venei rutu i te pia por arheu tō tatou whenua, tō trapupu e tō trapupu.
How many here to for happy now? How many here to eat food? How many here to borrow? How many here to doubt a man who is well? They have a problem. Ma, to get them who pay down here. Me are hate or at who put you away. E yenu mera hiyo wa fata tai channel e media e do po itra moro tra tau. Ara ro ha ro ha mai o ha pa fu pro pro tau mo e jaro tenu na. Tu ini tu o fu nuwa wa nuwa nura ro tau nai o. Te ho hiyo mai itra ra tau e tona fatu e tro ho ruma pa e milioni. Ta te ho fu nuwa i ro e mai. A thai ti mai di Mataiti piti tauti ni e piti toru. E wau hanere e pae ahuru milioni. Se numerar au i te moni o te e whenua. E te huru e uhare te moni o te e whenua i te mamataiti atoa. Torohuru ma pae milioni, torohuru ma pae milioni, torohuru ma pae milioni. Amu hia, trai atona moni e wau hanere e pae ahuru milioni. Nā ora i wau e penea. E mori ar hau pāti i te hia i o. Aure re piru. Ki i te hei anu anu raro. Pāre o i te rā whenua am haharu te hawa matai ti tēne. Ai te tāta e ora i o. A te ria, ni aroro e nenhe anai tā oe harma e te paparo ra tātou mo i te nuna anma oe apabu. Mi te pau e matara tō mātou hururi da ae menon homai te i te ihe patutupura. Ai tate tai Ong wan hor ang guri mai ai mai di poro mato ya o ete wai ture at mo hepa titi e jero ya o tahun dura e ni da tra tai har onar sui radio ti fana mara ru ti pe pe tanu mai ti nar tu radio ti ata samar mar mo me oi ti nun ai mina fa ya te moni uti fe nu Tak huru mampu milyun itu nara wed ahir mai, eroh ahir mai. Tuh, orang ni repa huru milyun ni, temoni ada nuna. Aiti ada temoni itu notera, aiti ada temoni itu register, mau wahai itu media, temoni itu efek. Emoni ada nuna, tahu anak ada nuna. Ini hanya wahai marman mai, matu. Ya uta o ya dida e proporo tatu i mua i te aro tenuna, hai marmara matei, matei te mera tenuna i tatu. Je vous ai écouté, M. Gaston Thompson, Radio Tefana. Vous avez souhaité devant le peuple que nous fassions un gouvernement d'unité. Il est très louable, c'est ce que nous avons toujours demandé. Mais auparavant, j'aimerais vous demander des éclaircissements sur certains investissements effectués par le territoire. L'honnêteté, la clarté, la transparence de ces investissements. J'en ai retenu un. L'acquisition de cet atoll de Anuanuraro, qui a coûté à l'époque à son propriétaire la bagatelle de 35 millions. Et j'ai fait le compte puisque le territoire l'a racheté pour 850 millions. Sans les frais de notaire et d'enregistrement, hors frais. Donc ça dépasse le milliard. Je me suis dit, le prix de cette terre a augmenté de 35 millions tous les ans. C'est pas possible. On a dû trouver de l'or là-bas ou du pétrole à Anuanuraro. Alors si vous réussissez à me persuader, à nous convaincre, eh bien nous allons tous voter pour toi. Tu seras notre président. Voilà un peu pour ouvrir nos temps de parole. Monsieur le haut-commissaire, représenté ici par Monsieur le secrétaire général du commissariat. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes salutations aux habitants des Marquises,
lointaine marquise, et dire un remerciement spécial à notre frère Jean-Alain Frébault, qui nous a rejoint pour faire cette majorité, que je vous demande d'applaudir. Les Australes, les Tuam du Gambier, les îles Solvent, ceux des îles du Vent, à vous tous Polynésiens de souche ou d'adoption, Yoran, Yamait Aitota, Sofarereida. Il y a un peu moins d'un an, nous étions réunis dans cette même enceinte afin de désigner le président du pays pour 5 ans. Les événements que nous avons connus ces derniers mois ont écouté ce mandat et conduit aux élections du 13 février dernier. Elles auraient dû concerner l'ensemble des électeurs, mais malgré nos demandes de dissolution, malgré la pétition et la marche symbolique, nous n'avons pas été entendus. Les élections partielles nous ramènent à peu de choses près. Au point de départ, une courte majorité, malgré une différence significative de plus de 6000 voix avec notre adversaire le plus immédiat. Mais une majorité nous est acquise grâce au ralliement des représentants des marquises que je tiens à remercier encore une fois. Ce ralliement, s'il peut paraître surprenant, inaugure l'ouverture que j'appelle aujourd'hui de tous mes voeux. Car il nous faut relancer cette nouvelle politique entamée en mai 2004, celle du changement voulu et confirmée par la majorité des électeurs. Changement de politique, changement des mentalités, changement de gouvernance, c'est le Tauiro. Mais ce que recouvre cette notion va au-delà de ce que nous avons entrepris au lendemain du 23 mai 2004. Les derniers mois ont été difficiles. Il nous faut maintenant réconcilier, rassembler, rassurer, convaincre, aller de l'avant. Ces concepts sont essentiels pour réussir la relance économique et bâtir la Polynésie que nous souhaitons tous prospère et fraternelle. Il nous faut réconcilier une population divisée par des querelles partisanes, amplifiée par une campagne électorale intense, une vision machinéenne du monde de demain, les autonomistes contre les indépendantistes. Au risque de me répéter, j'affirme ici encore que l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour. Cette question ne pourra, à mon avis, être débattue que si l'économie de notre pays le permet et si la population le souhaite. La réconciliation ne peut se faire que si le Tahoeira accepte le choix des électeurs, s'il reconnaît sportivement que l'Union a remporté la victoire, s'il admet enfin que le processus électoral est terminé. Sans cette acceptation, nous ne serons jamais à l'abri des manœuvres politiciennes orchestrées dans le seul but de renverser un gouvernement légitimé par un vote populaire incontestable. Devrons-nous encore revivre les remous politiques des derniers mois? Je ne crois pas que notre pays mérite cela. Je crois par contre aux valeurs de la démocratie qui rendent possible l'alternance. Pendant plus de 20 ans, une équipe, un homme plutôt, a détenu le pouvoir. Le bilan est certes positif pour les nombreuses réalisations que nous reconnaissons. Il recèle par contre des aspects négatifs en raison du gaspillage, des déviances, des malversations qui ont émaillé toutes ces années. Et aujourd'hui, la page est tournée. C'est pourquoi j'appelle au rassemblement de toutes et de tous pour amener la sérénité, gage de confiance.
Réunifié sera l'esprit du monde de gouvernement nouveau que j'entends instaurer afin de créer l'unité nécessaire à la construction de notre communauté. Il nous faut prendre exemple sur les électeurs américains qui, au lendemain des élections, reprennent leurs conditions de citoyens en laissant de côté leur appartenance au parti républicain ou démocrate. Ainsi que chacun prenne conscience que nous formons un seul peuple en devenir, que nous avons une communauté à construire autour d'un projet commun et que chaque citoyen doit y apporter sa contribution, même modeste. Cette unité trouvée est le fondement de la stabilité nécessaire au développement économique. C'est pourquoi je souhaite disposer d'une majorité confortable pour donner corps à cette réunification. Je m'efforcerai tout au long de ce mandat de proposer à l'opposition d'occuper la place qui lui revient, tant au sein de l'Assemblée que du gouvernement que je constituerai prochainement. Rassembler, c'est renforcer les liens avec les archipels et les îles éloignées par rapport au développement économique et social. Rassembler, c'est unir toutes les forces vives du pays afin de tisser des liens et de créer un réseau de relations et de concertation entre les différents acteurs publics et privés. J'appelle ainsi nos partenaires d'hier à nous rejoindre pour rendre à nos concitoyens la paix sociale à laquelle chacun peut prétendre. Je veux cependant que durant ces 4 années, l'on arrête la surenchère statutaire cette course en avant destinée à obtenir plus de compétences pour grignoter celles de l'État, a pendant des décennies passées occulté les véritables problèmes du pays. Il y aura néanmoins des négociations sur le statut qui concerneront le mode de scrutin et les amendements utiles au bon fonctionnement des institutions. À cet effet, je créerai un groupe de travail composé de représentants de tous les partis et des personnalités de la société civile pour mener à bien ce projet. Le nouveau dispositif électoral devra être prêt pour le renouvellement de l'APF au terme de cette mandature. En effet, il ne me paraît pas raisonnable, compte tenu de la longue dégradation de la situation économique du pays, de retourner aux urnes avant 4 ans. Il nous faut dès maintenant nous mettre à l'ouvrage pour assurer le redémarrage de notre économie. Je l'ai annoncé durant la campagne électorale, la situation économique de la Polynésie n'est pas très brillante. Elle nous obligera à mener de front 2 politiques. L'une pour soutenir la croissance, l'autre pour poser les fondations d'un développement durable. Notre balance commerciale est en effet déficitaire au point que les exportations couvrent à peine 10% des importations. C'est le juste résultat d'une politique économique basée sur l'importation et les transferts extérieurs. Une économie de comptoir. Cet état de fait est paradoxal. Nous avons acquis plus d'autonomie politique et nous héritons d'une plus grande dépendance économique. Je m'attacherai donc à améliorer cette situation par des actions à moyen et long terme. Pour le court terme, les 4 mois passés au gouvernement m'ont permis de tirer quelques enseignements. Mon projet immédiat est de soutenir la croissance. Notre économie étant alimentée essentiellement par les finances publiques, notamment les commandes de travaux,
il apparaît nécessaire d'assurer une certaine continuité des investissements publics. J'avais annoncé lors de mon discours programme de juin 2004 l'importance que j'accordais à l'amélioration de la circulation routière. À cet effet, des investissements routiers seront entrepris au plus tôt dans l'agglomération suburbaine. Il s'agira de travaux de mise en conformité de la route de Saint-Eux. Ces travaux permettront d'assurer plus de fluidité, une plus grande sécurité pour la création de trottoirs et de pistes cyclables. Ces investissements seront doublés d'une réflexion sur la circulation en zone urbaine des poids lourds. Dans le cadre de ce programme, les routes de pénétration des vallées et les routes communales seront créées ou améliorées. Les moyens du Fonds intercommunal de péréquation de développement que mon gouvernement précédent avait instauré pourraient être mis à disposition des communes pour ces projets en association avec des crédits d'État. Il me paraît important aussi de désenclaver les terres du centre de l'île afin de valoriser le foncier de cette zone et créer des activités liées à l'écotourisme, moyennant des charges très strictes en matière de protection de l'environnement. J'ai constaté que de nombreuses entreprises du pays sont arrêtées dans leurs projets d'expansion par manque de terres disponibles ou du fait du prix du foncier excessif. Mon gouvernement s'engagera dans ce domaine à mettre à disposition des terres domaniales pour permettre la réalisation de ces investissements. À cet effet, un état d'avancement des travaux d'aménagement de la zone de Fratea sera communiqué et les attentes des futurs utilisateurs prises en considération dans le cadre d'une concertation que je compte instaurer avec les partenaires du secteur privé. En ce qui concerne le logement, mon gouvernement mettra en place un dispositif afin de favoriser l'accession à la propriété pour les jeunes ménages et promouvoir la création de logements dits intermédiaires par la baisse des taux d'intérêt, l'allongement des durées d'amortissement des prêts à la construction. L'objectif est que chaque ménage, pour une première construction, puisse avoir un accès plus facile au logement. Ces mesures pourront être accompagnées par la mise à disposition de ces ménages de terrains viabilisés et aménagés. Les primes à la construction pourront être poursuivies. Le logement social est une des priorités de mon gouvernement. Il fera l'objet d'un schéma directeur du logement social. L'attribution des logements sociaux construits et financés par l'argent public sera dépolitisée pour bénéficier aux plus démunis et aux plus nécessiteux. Elle sera confiée aux services sociaux sur des critères objectifs et non en fonction de l'appartenance politique. Mon gouvernement procédera rapidement à une réhabilitation des logements anciens afin que les conditions d'hygiène et de sécurité des habitants soient améliorées. Cette politique de réhabilitation et de construction passe par une évaluation et une réforme de l'OPH en charge de ce secteur. La mise en concurrence de cet organisme avec des sociétés privées, qui pourraient elles aussi proposer des clés en main des logements sociaux, ne doit pas être écartée. Le logement est aussi une activité à privilégier, car elle est créatrice d'emplois et a un effet d'entraînement sur de nombreux secteurs d'activité. Dans la construction privée, si les incitations fiscales sont nombreuses, elles semblent contrariées par une administration trop complexe. Trop complexe, trop tatillonne, trop lente. Je suis en effet surpris par les lenteurs dans la délivrance des permis de construire, 2 ans en moyenne pour un immeuble, toutes démarches confondues. Ces délais ont un coût pour le promoteur. Time is money.
Il y a donc un chantier urgent à mener sur la simplification des formalités administratives et des procédures afin de rattraper les retards actuels et de réduire les délais d'instruction au minimum. Mon gouvernement engagera rapidement une réforme de l'administration secteur par secteur afin qu'elle soit véritablement au service de l'utilisateur et des porteurs de projets. Cette réforme passe aussi par une plus grande responsabilisation des chefs de service ou d'établissements publics qui recevront, le cas échéant, les délégations de signature nécessaires. Je m'y engage. Je veux également fixer aux ministres qui composeront mon équipe, ainsi qu'aux responsables des services, des objectifs clairs, afin que les administrations dont ils auront la charge soient efficaces et participent à l'effort en vue de notre développement. Mon souci est de permettre aux entreprises de réinvestir, de s'agrandir, de prospérer rapidement, en allégeant au maximum les formalités. Mais il est aussi de notre devoir et de notre responsabilité de former notre jeunesse, pour qu'elle puisse prendre en main sa destinée. C'est pourquoi je fais mienne cette maxime. Il n'est force ni richesse que d'hommes. Les économistes classiques, dans un souci de simplification, avaient déterminé deux grands facteurs de production, le capital et le travail, fournis par l'homme. Même si le modernisme a pu, dans certains secteurs d'activité, remplacer l'homme par la machine, il n'en demeure pas moins que l'homme reste au centre du processus de production et de consommation. C'est pourquoi nous ne pouvons pas lancer notre pays sur la voie du développement sans une réforme complète de notre système éducatif et de formation professionnelle. Il nous faut former les citoyens conscients de leur contribution au développement de notre économie et ouvert sur le Pacifique. Je suis attristé de voir combien notre système éducatif, très bien structuré, bien organisé, doté de moyens financiers, logistiques et humains considérables, et inefficient. Ce système produit en effet un nombre trop important de laissés pour compte. On parle de 30% d'illettrés. Quelle entreprise privée pourrait se permettre une telle débauche de moyens pour si peu de résultats, sans être vouée à disparaître? Mon gouvernement s'attachera en conséquence à mettre en place une véritable réforme de l'éducation, afin que les moyens soient en adéquation avec les résultats. C'est un projet de longue haleine qui aurait dû être entrepris il y a longtemps en s'appuyant sur la charte de l'éducation. Il faut que l'on s'y attelle dès aujourd'hui. Il y a aussi, à plus brève échéance, la mise en place d'un cursus de formation professionnelle basé essentiellement sur l'apprentissage en entreprise. Ceci ne pourra se faire qu'en coopération avec les partenaires privés. Ce projet permettra non seulement de donner aux jeunes une formation qualifiante, mais aussi procurera à terme aux entreprises la main-d'œuvre de qualité dont ils ont besoin. À cet effet, les DIG et les SIG seront progressivement remplacés par un dispositif qui permettra aux jeunes d'associer une activité rémunérée à une formation professionnelle qualifiante ou diplômante. Il existe d'autres projets dans le secteur du BTP qui devront être lancés afin de redynamiser notre économie. Ces projets ont jusqu'à présent été soit retardés, soit laissés de côté. Je les énumère ici afin que chacun puisse prendre conscience de l'ampleur du travail qui nous attend et de l'importance des crédits à déployer. En clair,
Il s'agit de revenus potentiels pour les entrepreneurs du pays et de création d'emplois, mais aussi de pôles de développement. Parmi les plus urgents, je retiendrai en premier la reconstruction de l'aéroport de Faa. Vous allez peut-être dire, c'est pas si maire de Faa. Non, il y a déjà longtemps qu'on doit faire des travaux d'agrandissement de notre aéroport, et notamment de l'aérogare. Ce projet est important par sa taille, mais aussi en raison de l'augmentation du trafic aérien. Il y a l'arrivée du cinquième Airbus, que vous connaissez tous, et de l'objectif que nous nous sommes fixés d'atteindre 500 000 touristes. Ce projet améliorera la qualité de l'accueil des passagers qui débarquent en Polynésie. La construction d'un aéroport international aux Marquises permettra de désenclaver cette partie de notre pays et créer un nouveau pôle d'activité économique et touristique. L'agrandissement de la piste de Tubuai et de celle de Bora Bora procède de la même idée de désenclavement. Je crois nécessaire de lancer rapidement la construction d'une nouvelle clinique privée. Cette dernière construction est urgente en raison de l'état de vétusté des cliniques actuelles. Il me faut mentionner ici la reconstruction en urgence de la prison de Nutania, dont les conditions d'hébergement sont indignes d'un pays comme le nôtre et contraires aux droits humains. Les crédits de l'État sont déjà inscrits. D'autres investissements seront nécessaires dans le domaine social. Il s'agit de la création de centres d'accueil pour les familles en provenance des îles dont un des membres est hospitalisé. J'encouragerai par ailleurs la construction de structures d'hébergement pour personnes âgées, car les besoins sont déjà identifiés et ils en grandissent au cours des prochaines années. Là encore, les projets ne manqueront pas. Il faudra qu'ils puissent se réaliser en faisant participer tous les acteurs privés et publics, États et pays. Vous constaterez donc, mesdames et messieurs, qu'à travers ces investissements, dont la liste n'est pas exhaustive, nous pouvons garantir aux entreprises non seulement le maintien de leur niveau d'activité, mais aussi leur croissance. Nous devons aller au-delà pour arriver à l'objectif que nous nous sommes assignés. Nous voulons atteindre l'autonomie économique en transformant notre économie actuelle basée sur l'importation pour la remplacer par une économie de production et d'exportation. Il nous faut poser les fondements d'un développement durable. Nous avons dans notre programme politique énoncé les secteurs d'activité à privilégier pour réduire notre dépendance par rapport à l'extérieur. Il s'agit du tourisme, de la permaculture, de la pêche, de l'agriculture, des énergies renouvelables. Je voudrais rappeler ici les grandes lignes de ce programme. Le tourisme est la première ressource du pays. Et nos objectifs dans ce domaine visent à atteindre 300 000 touristes en 2007, 500 000 en 2010. Nous proposerons pour y arriver de rechercher de nouveaux marchés, notamment la clientèle transpacifique qui pourra être acheminée par les nouvelles liaisons d'Air Tahiti-Nui sur New York et Sydney et les pays de la région. Je voudrais remercier Madame Brown d'être parmi nous ce matin, consul général de Nouvelle-Zélande. Welcome among us. It's our great pleasure to welcome you. If I have a message for you, for our cousins from New Zealand, tell them to come to Tahiti. We need you to develop this country. This is a nice place for honeymoon, for the families, for vacation. Welcome to Tahiti. Nous renforcerons notre pénétration sur les marchés européens
et nous prospecterons aussi le marché chinois. Ces actions seront soutenues par des actions de promotion ciblées en partenariat avec les partenaires privés. Nous viserons à maintenir la qualité du réceptif en évitant la surdensité de bungalows sur l'eau. Je crois que nous avons trop longtemps ignoré l'expérience de la France dans ce domaine. C'est pourquoi nous négocierons des contrats d'assistance avec le ministère concerné dès cette année. Enfin, il me semble urgent de réunir tous les professionnels du tourisme dans le cadre d'un colloque international qui pourrait se tenir à la fin de cette année. L'agriculture, comme la pêche et la perliculture, sont des secteurs d'activité porteurs concernant plus de 40 000 actifs. Grâce à la définition d'une politique affirmée et volontaire de développement, à une meilleure structuration et à l'injection de moyens suffisants, nous allons sortir le secteur primaire du marasme économique actuel en formant et en installant des agriculteurs professionnels performants et motivés. La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaise sera le moteur de cette redynamisation. En ce qui concerne l'agriculture, il nous faut donc produire et mieux. Par l'aménagement des terres cultivables et la diversification des productions, la mise à disposition des terres domaniales, le soutien des valeurs sûres à l'exportation qui sont la vanille et le nonon, mais aussi avoir forte valeur ajoutée, les fleurs, le miel, entre autres. L'organisation de la commercialisation, la prise en charge du fret des produits des îles, la mise en place des structures de stockage et de commercialisation, la mise en place d'un fonds de calamité agricole. La pêche hauturière, qui dispose d'un potentiel de développement important à l'export et au plan local, sera encouragée par la formation des capitaines et mécaniciens et l'aide à mieux identifier les zones de pêche. La gestion des ports de pêche confiée à des partenaires dotés de moyens. Le soutien à un programme réaliste d'équipement en bateaux de pêche en favorisant la construction navale locale. La valorisation des déchets de pêche actuellement inexploités qui peuvent entrer dans la composition de compost, horticole ou d'aliments pour animaux fabriqués localement. La création d'un fonds de garantie interbancaire qui permettrait de différer le paiement des encours bancaires. L'instauration d'un fonds d'intervention alimenté par les professionnels et qui leur apporterait une aide financière complémentaire pendant les périodes de crise. La pêche côtière et lagunaire sera valorisée par le repeuplement des lagons grâce à des opérations de collectage de larves. Le développement des DCP, dispositifs de concentration de poissons, au bénéfice des pêcheurs côtiers. L'exportation de crevettes, de poissons à haute valeur ajoutée et d'aquarium. L'incitation des porteurs de projets privés à investir par des mesures adaptées en matière de formation et d'aide à l'investissement. La périculture, notre seconde source de revenus extérieurs, devra être encouragée et protégée. Malgré une période difficile, la perle reste une activité de premier plan, parce qu'elle crée des emplois, procure des revenus extérieurs, favorise le retour et l'ancrage des populations des îles. Afin de regagner la confiance des acheteurs internationaux, la perle noire polynésienne doit améliorer l'image de qualité et de beauté qui a fait sa réputation. Le développement durable et harmonieux de la filière passe par une maîtrise de la production, la structuration de la profession, création d'un lycée de la mer, le renforcement de l'assistance technique aux producteurs et à la commercialisation. L'enregistrement et la protection du label
de la marque Perle de Tahiti. La formation de greffeurs polynésiens performants pour remplacer les 250 greffeurs étrangers actuellement en activité dans nos fermes. La stratégie de promotion des perles de culture travaillées. La mise en place du système d'entreprise franche. La création d'une maison de la perle ou d'un Pearl Trade Center, qui serait un espace dédié aux professionnels de la perle locaux ou internationaux. La mise en place d'une usine locale de production du Nucleus. Les ministres qui auront la charge de ces différents portefeuilles devront garder à l'esprit l'objectif premier qui leur sera assigné et qui se décline sous cette forme. Exporter, augmenter la production locale, réduire les coûts, rendre nos productions compétitives. Pour cela, nous devons pratiquer une politique de baisse des prix par le biais d'un accord de participation. Cet accord aura pour objectif final de valoriser les améliorations structurelles de notre économie pour mieux réussir le développement durable sur lequel un consensus s'est établi. Il a pour ambition de réduire les handicaps qui freinent le développement, la cherté de la vie, la compétitivité insuffisante, le recours excessif aux subventions pour la survie de nombreux secteurs d'activité, l'assistanat. La baisse des prix est la voie qui mène à la baisse des coûts de produits et de services et à l'augmentation du pouvoir d'achat pour tous. Ces objectifs sont fédérateurs et concernent l'ensemble des acteurs économiques ainsi que la population en général. Cette participation devra reposer sur des principes fondamentaux de confiance, de réciprocité, de concertation et d'initiative. Ces principes permettront à chaque partenaire public et privé d'accompagner le gouvernement dans sa volonté de changement. L'initiative et l'exemple doivent revenir en premier lieu au gouvernement. C'est pourquoi je proposerai une série de mesures visant à réduire les prix des services publics ainsi que la simplification des procédures déjà esquissées. Un allègement des charges fiscales s'avère nécessaire. Les taux de TVA seront baissés selon les secteurs et la TDL revue à la baisse, sinon supprimée dans certains cas. La contrepartie étant que les entreprises privées puissent répercuter ces baisses au profit du consommateur. Je compte associer à cette réflexion les organisations syndicales de salariés afin de déterminer, dans le cadre d'accords tripartites, les modalités de cet accord pour une baisse des coûts et une augmentation du pouvoir d'achat. Mon objectif, donner une autre vision du rôle de représentants syndicaux. C'est un véritable partenariat de développement. Former les responsables à ce rôle nouveau. Cette participation devra intégrer également les mouvements associatifs. Sans l'implication de tous, le Taoui ne pourra perdurer. Je veux, durant cette mandature, relancer le secteur des énergies renouvelables, qu'elles soient d'origine solaire, hydraulique ou l'eau motrice. Ce secteur a été mis de côté. Pourtant, il participe d'un plan d'ensemble en vue de réduire notre dépendance économique, énergétique et donc économique, mais aussi parce qu'elle a un moindre impact sur l'environnement. Dans le domaine social, je crois utile de recevoir les mesures actives du gouvernement d'hier, afin d'en évaluer le coût et l'utilité sociale. Je m'y étais engagé l'an passé, de réunir les partenaires sociaux afin de discuter des modalités de la prise en charge de l'allocation complémentaire de retraite.
et la prise en charge à 100% du congé maternité pour toutes les femmes. Mais je ne peux passer sous silence les dures réalités que nous observons tous. L'augmentation de la prostitution des mineurs, nos enfants. C'est une situation préoccupante qui ne peut trouver de solution qu'en impliquant les pouvoirs publics, les associations, les confessions religieuses, les parents. Un état des lieux sera établi avec les services sociaux afin de mesurer l'ampleur du phénomène, d'en identifier les causes et proposer des remèdes. Pour l'allocation du parent au foyer, mon gouvernement mettra en œuvre un accompagnement et une formation au rôle de parent destiné aux bénéficiaires de cette aide. À cet effet, je compte renforcer les moyens d'action des associations qui œuvrent dans ce sens. En matière de justice, je saisirai dans les meilleurs délais le Haut Conseil afin de trouver une réponse appropriée au problème de l'indivision. En partenariat avec l'État, je mettrai en place le tribunal foncier, une aide judiciaire et juridique, un vrai service d'interprétariat, afin que tous les Polynésiens bénéficient de meilleures conditions de traitement judiciaire de leurs problèmes. J'aurai la charge des relations extérieures et à ce titre, je compte durant cette mandature renforcer les liens avec nos voisins du Pacifique, d'une part l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec lesquels nous entretenons des relations commerciales qu'il nous faut rééquilibrer. D'autre part, les pays insulaires du Pacifique à travers le Forum du Pacifique. Nous pourrons passer avec ces pays des accords de partenariat ou de coopération et même y installer des représentations. Notre région offre des opportunités immenses pour la formation de nos jeunes, que ce soit pour la langue, ou pour des formations plus spécifiques, le maître mot étant là encore, l'ouverture. Je crois possible aujourd'hui une normalisation de nos relations avec l'État qui créeront un environnement favorable à la négociation d'un nouveau contrat de développement pour la décennie à venir. Je vais d'ailleurs vous annoncer que si je suis élu président, dans 15 jours je serai reçu à Matignon. Je compte nouer des liens avec l'État basés sur un partenariat responsable en m'appuyant sur une légitimité électorale forte et sur le ralliement de toutes les bonnes volontés. Telles sont les ambitions de mon gouvernement. Je vous demande solennellement de me soutenir dans cette démarche. Terfayerhei Maruru Yorana. Merci, Monsieur Temaru. J'invite le candidat du Tahuera, maire de Bora Bora, Monsieur Gaston Tongson, à prendre la parole. Monsieur le Président, avant d'entamer mon allocution, je voudrais vous demander un service. Nous venons de perdre un doyen. Dans notre commune de Bora Bora, qui a été membre de notre assemblée. Et je demanderai à l'assemblée de respecter une minute de silence pour son mémoire, s'il vous plaît. Je vais accorder une minute de silence.
ou M. Picard. Si on peut se lever, mesdames et messieurs. Merci. Merci pour la famille endeuillée à qui, au nom de tous les élus, nous adressons nos sincères condoléances et notre compassion. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le représentant, secrétaire général, le représentant du Haut-Commissaire de la République, Monsieur le sénateur, Madame la députée, Monsieur le président du Conseil économique et social et culturel, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mes chers amis, ceux des Marquises, ceux des Tuamotu-Gambier, ceux des Australes, ceux des îles sous le vent, et à vous des îles du vent. Permettez-moi d'abord d'adresser mes fraternelles salutations à tous les Polynésiens qui, le 23 mai 2004, ou le 13 février 2005, nous ont confié la responsabilité de les représenter. Ils n'ont pas tous la même vision de notre avenir commun, ce qui est parfaitement normal et sain dans un pays démocratique. Mais ces deux campagnes électorales, surtout la dernière, ont dangereusement aggravé les divisions entre nos peuples. Pour notre pays, pour nos enfants, et tout simplement pour la paix de notre vie quotidienne, il est nécessaire de rechercher et très vite l'apaisement et la réconciliation. Comprenez-moi bien. Je ne prétends pas mettre fin au débat politique. Il est nécessaire. L'affrontement des idées et des projets doit se poursuivre. Je n'ai pas l'intention de dissimuler mes convictions ou de transiger sur les grandes orientations du Tahoeira Huiratira dans le domaine institutionnel, économique ou social. La réconciliation que notre population attend ne passe pas par la compromission, l'hypocrisie ou la trahison. La réconciliation exige, au contraire, la fidélité aux engagements, la clarté des idées et la fermeté des convictions. Mais elle exige aussi l'acceptation et le respect des autres, de tous les autres. Aucun de nous ici ne peut prétendre avoir été élu par tout le peuple. Mais ceux qui auront la responsabilité de gouverner doivent être prêts à travailler dans l'intérêt de tous, y compris ceux qui ont voté pour leurs adversaires. C'est dans cet esprit que j'ai accepté d'être candidat aux fonctions de président de la Polynésie française.
Je m'abstiendrai donc de tout dénigrement de mon concurrent, auquel j'adresse mes salutations et encouragements très sincères. Aussi, mon intervention sera exclusivement réservée à la présentation de mon programme. Puisque la réconciliation est de l'avis de tous la priorité la plus urgente, il va de soi que je renouvelle ici la proposition que le président du Tahoeira Huilatira, M. Gaston Floss, a adressée officiellement le 13 février à M. Temaru, à Mme Poutou et à M. Chil. J'honorerai cet engagement et formerai un gouvernement d'union avec ceux qui accepteront de travailler avec nous dans l'intérêt général. Il va de soi qu'une telle ouverture n'est possible et durable que dans le cadre d'un accord clair et transparent, à déterminer en étroite concertation avec les chefs de file de parti sur les grandes orientations de la politique que nous devrons conduire durant la mandature. Je dois donc vous préciser sans détails inutiles, mais sans ambiguïté, les points essentiels du programme sur lesquels je souhaite rassembler une majorité d'élus et de Polynésiens. Ce programme s'inscrit dans la continuité de l'action que nous avons conduite de 1984 à 1987, puis de 1991 à 2004. Je ne prétends pas que nous n'avons jamais commis d'erreur, mais je suis fier de ce que nous avons accompli pendant toutes ces années. Le président de notre mouvement, M. Gaston Floss, a rappelé devant vous nos réalisations les plus marquantes. Je n'y reviendrai donc pas. Mais je saisis cette occasion pour rendre hommage à son action. Il a été le guide visionnaire, l'initiateur, le maître d'œuvre et l'aiguillon infatigable de la modernisation de notre pays. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir, il le mérite amplement. Je lui suis profondément reconnaissant de m'avoir constamment permis de participer à cette tâche exigeante mais passionnante. La fidélité aux engagements du Tahoeira Huilatira passe évidemment par la clarté et la fermeté du choix institutionnel. Nous voulons que la Polynésie reste un pays autonome qui se gouverne librement et démocratiquement au sein de la République française. Nous avons la conviction que ce choix est celui d'une large majorité de la population. Le statut défini par la loi organique de février 2004 correspond aux besoins de notre pays. Nous n'envisageons pas de demander dans le courant de la mandature le transfert de nouvelles compétences. La priorité est de bien utiliser celles que nous avons déjà acquises. S'il y a dans la loi actuelle des lacunes ou des imprécisions, elles pourront être corrigées, mais sans précipitation, au terme d'une réflexion approfondie et d'une large concertation. Le sujet de débat le plus urgent est sans doute le mode de scrutin. Très contesté par de nombreux élus
et plus encore par la population. Momentanément suspendues, les discussions ouvertes à Paris en novembre dernier sous l'égide du ministre de l'Outre-mer, Brigitte Girardin, auront permis d'acter un accord sur le principe de renouvellement général de l'Assemblée de Polynésie française et la nécessité de l'adoption d'une loi organique. J'invite en conséquence l'ensemble des formations politiques de notre pays, qu'elles soient ou non représentées au sein de notre hémicycle, à une reprise de nos travaux. Aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable que nous parvenions à la conclusion d'un accord final dans le calme, en se donnant le temps nécessaire à la réflexion, dans le cadre d'un débat serein, faisant place au plus large des consensus. Vous le savez, le programme du Tahoe-Rahuila-Tira donne la priorité au renforcement de la solidarité sociale. Je respecterai cet engagement et nous poursuivrons la politique sociale conduite depuis le mois d'octobre dernier. La construction de 1 300 logements par an reste notre objectif. Et l'accession à la propriété est aussi la préoccupation du Tahoe-Rahuila-Tira. Cette politique est devenue réalité. Pour l'emploi, et particulièrement l'emploi des jeunes, les dispositifs temporaires d'emploi aidé, tels que les DIG et les CIG, ont leur utilité et même leur nécessité. Mais c'est un palliatif, ce n'est pas un but. L'objectif, c'est la création d'emplois durables. Et c'est sur cet objectif que nous concentrerons nos efforts. Car la finalité de la politique sociale est de permettre à ceux qui en bénéficient aujourd'hui de pouvoir s'en passer demain. La gratuité doit rester ponctuelle et limitée. Elle ne sera jamais une solution globale et durable. L'aide reçue de la collectivité doit permettre à ceux qui la reçoivent de devenir autonomes. C'est toute la différence entre l'assistanat et la solidarité. La solidarité sociale exige une économie solide et dynamique. Notre programme de développement a fait ses preuves depuis 1991. Nous continuerons ce travail. Notre économie doit être forte. Sa croissance doit être suffisante pour répondre à l'augmentation de notre démographie et permettre l'amélioration du niveau de vie de toute la population. Mais nous devons surtout rechercher une croissance durable. Cela exige une diversification de nos ressources, déjà amorcée depuis 2001 avec la relance de la vanille, de la perle et surtout le triplement de la flotte de pêche. Mais pour être durable, notre développement doit aussi être respectueux de notre environnement et de notre culture, et miser sur la qualité de nos productions et de nos prestations. Le respect de l'environnement est une formule facile qui fait l'unanimité. En érigeant le droit à un environnement sain et équilibré, au même niveau que les droits de l'homme,
et les droits sociaux, l'approbation le 28 février 2005 par le Congrès réuni à Versailles du projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement constitue une étape historique pour la prise en compte de l'écologie et du développement durable. Je tiens à cet égard à rendre publiquement l'hommage solennel qu'appelle l'implication personnelle de notre président de la République, Jacques Chirac, dans l'adoption de ce dispositif courageux et généreux. Il mérite également notre applaudissement. Concrètement, c'est une exigence très contraignante. Imposer à l'économie le respect de l'environnement signifie des retards et des coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires dans la réalisation de nombreux projets, publics ou privés. Je suis décidé à accepter ces contraintes. C'est nécessaire pour notre avenir. Nous devons aussi préserver la ruralité, l'agriculture familiale d'autosuffisance. La zone urbaine de Tahiti est un fait irréversible, mais elle doit rester une exception. Le maintien de la ruralité préserve notre environnement et nos modes de vie traditionnels. L'économie ne doit pas être totalement déconnectée de notre culture. La modernisation n'implique pas le reniement de ce que nous sommes, de ce que nous aimons. La modernisation est un défi permanent à notre culture, à notre langue, à notre identité. Nous devons relever ce défi. C'est possible. Il faut en faire une priorité. Nous devons avoir une vraie politique de valorisation du patrimoine culturel, mais cela ne suffit pas. Si notre culture se fige sur la préservation de son passé, elle ne résistera pas à la modernisation de notre société. Il faut faciliter et encourager la création culturelle en aménageant des espaces d'expression en finançant des productions. La défense de notre langue est également un objectif qui fait l'unanimité, mais je crois que nous avons fait fausse route en nous obstinant à débattre du caractère officiel ou non du Reo Ma'ahui. Ce n'est pas ce qui compte. L'usage de notre langue est reconnu et admis par tous les Polynésiens, même ceux qui ne la pratiquent pas. Le vrai problème, c'est notre incapacité à donner à nos enfants la maîtrise des deux langues qui leur sont nécessaires, le français et le Reo Ma'ahui. Les familles portent une grande responsabilité dans l'abandon progressif du Reo Ma'ahui dans la vie quotidienne. Il est vrai que l'école n'a pas peut-être non plus joué pleinement son rôle. Il est vrai également que pendant tout ce temps, nous manquions de professeurs qualifiés. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'université forme de nombreux étudiants en langue polynésienne. Et je ne doute pas que la nouvelle présidente de l'université, Louise Pelzer, s'attachera à renforcer encore notre potentiel dans ce domaine. Je me réjouis bien sincèrement qu'un enfant du Fénoua, professeur, et pu accéder à ces hautes fonctions
et je lui adresse mes plus vifs encouragements. Elle mérite également notre applaudissement. La maîtrise des deux langues est évidemment une priorité, mais ce n'est pas le seul objectif que nous devons fixer à notre système éducatif. Il est absurde de parler d'échecs massifs et de nier les progrès considérables accomplis depuis que l'autonomie nous a donné la responsabilité de l'éducation. Mais il y a encore trop de jeunes Polynésiens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans ce système qui n'a pas été conçu pour eux. Peut-être n'avons-nous pas su adapter suffisamment le système éducatif français à nos besoins et à nos spécificités. Je ne prétends pas détenir la solution toute prête, mais j'ai l'intention de réactualiser la charte de l'éducation en reprenant une démarche de réflexion et de consultation de toute notre société sur la réforme de notre système éducatif. Pour les grands travaux, nous avons beaucoup de chantiers importants en cours de réalisation, comme l'hôpital, le front de mer ou Faratea. Ces chantiers seront poursuivis et il n'y aura aucune interruption des marchés publics. Mais l'ouverture de nouveaux grands chantiers ne se fera que pour des équipements publics souhaités par la population. Elle s'accompagnera d'une politique rigoureuse d'entretien de nos infrastructures. Pour mener à bien notre politique économique et sociale, et plus encore, pour l'éducation de nos enfants, nous avons besoin du concours de l'État. Quelle que soit l'orientation politique des gouvernements qui se succèdent à Paris et à Papeete, l'État reste pour la Polynésie un partenaire indispensable que nous devons traiter avec confiance et loyauté. Je me suis toujours comporté ainsi en tant que maire et président du syndicat pour la promotion des communes, je me comporterai de même comme président de la Polynésie française. Si je reprends totalement à mon compte l'ensemble du programme et tous les engagements du Tahoe-Rahui-Ratira, il va de soi que j'ai des projets qui me tiennent particulièrement à cœur et une certaine conception de la façon dont j'exercerai mes fonctions. Le monde de gouvernance. Le monde de gouvernance a tenu une grande place dans le débat électoral. Certainement une place un peu trop excessive. Car il me paraît un peu prétentieux pour un dirigeant politique de croire que son caractère et sa façon personnelle de se comporter suffisent à répondre aux besoins de la population. Ce débat doit être ramené à sa juste place, mais il est légitime et je ne m'y déroberai pas. La transparence, la concertation, la patience et la disponibilité seront mes règles de conduite. Je ne prendrai personnellement en charge aucun portefeuille ministériel. L'action du gouvernement sera conduite par des ministres. Ils disposeront de larges délégations de pouvoir et je les laisserai exercer leurs responsabilités en assumant les miennes qui seront de veiller aux grandes orientations
et au respect de nos engagements. J'inviterai les ministres à s'appuyer largement sur l'administration. Le gouvernement doit avoir confiance dans son administration et respecter sa neutralité politique. La gestion des personnels doit être transparente et l'avancement exclusivement lié au mérite. Mon expérience m'a abondamment montré qu'un ministre efficace est toujours un ministre qui sait faire confiance à ses services, leur déléguer de vraies responsabilités, les associer à la réflexion et aux prises de décision. Je souhaite également améliorer les conditions matérielles de travail de notre administration. Certains services sont très bien dotés, mais d'autres disposent peut-être encore de locaux vétustes et d'équipements insuffisants. Cet effort en faveur de l'administration accompagnera et favorisera la démarche déjà entreprise de modernisation de nos services publics. Beaucoup de progrès ont déjà été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire pour déconcentrer l'administration et la rendre plus accessible à tous. Mon gouvernement respectera son administration, la mettra en valeur et lui donnera les moyens de remplir ses missions. Mais il veillera également à la contenir dans les limites du service public, sauf en cas de force majeure, notamment pour porter secours aux victimes des calamités naturelles, les services et établissements publics ne doivent pas faire concurrence aux entreprises privées. Enfin, mes relations avec notre Assemblée, quel que soit le nom et l'appartenance politique de celle ou de celui qui la présidera, seront constamment empreintes de courtoisie et de tolérance. Je m'efforcerai d'établir des relations de confiance entre toutes nos institutions, mais aussi entre la classe politique et la société civile. Je respecterai la laïcité de notre vie publique, sans ignorer le rôle fondamental des églises dans l'équilibre de notre société. Parmi les chantiers qui me paraissent les plus urgents, vous ne vous étonnerez pas que je cite le développement des archipels et les relations avec les communes. Je ne suis pas le premier candidat originaire des îles. Francis Sauffort, dont je salue l'épouse parmi nous, était originaire des Gambiers et Gaston Flosse y est né. Pour ma part, natif des îles sous le vent, j'y ai vécu et construit ma vie politique. Je pense que le Tahoe-Rahuiratira, en me désignant, a voulu souligner l'importance des archipels, non seulement dans son groupe à l'Assemblée, mais aussi pour l'avenir de notre pays. La concentration de la population et des centres de décision à Tahiti fait paraître nos îles bien négligeables. Le scrutin du 23 mai, et plus encore, celui du 13 février, ont accentué cette impression. La population des archipels a le sentiment que le sort de la Polynésie est déterminé uniquement par les îles du vent, avec une certaine indifférence peut-être, pour ce que nous pouvons penser, vouloir
et ressentir. Nous aimons Tahiti. Papeete était notre capitale. Nous sommes fiers de son développement, des progrès constants de ses équipements publics. Mais faut-il vous rappeler d'où viennent les ressources économiques de notre pays? Combien aurions-nous de touristes sans nos îles? Merci. Quelle serait notre production des perles sans les Toamutu-Gombiers et les îles sous le vent? Que serait l'artisanat sans les Marquises et les Australes? Combien de tonnes de vanille sans les îles sous le vent? De copra sans les Toamutu et de nonon sans les Marquises? Pourrions-nous pêcher 30 000 tonnes de poissons dans les eaux de Tahiti et Moorea? Sans oublier la culture maraîchère des Australes et la pomme de terre, bien sûr, et le café. On présente souvent nos archipels comme des zones sous-développées qu'il faut assister. Mais quand on regarde la réalité de notre économie, on peut se demander qui assiste qui. Pourtant, c'est vrai. La population des archipels ne bénéficie pas toujours suffisamment des richesses qu'elle produit. Je crois qu'il y a un accord général pour rechercher une meilleure mise en valeur des ressources de chaque archipel au profit de leur population. Cela ne peut pas être décidé et organisé uniquement depuis Tahiti. Il faut impliquer dans cette démarche tous les élus des archipels, sans distinction politique. C'est ce que nous avons fait au mois de novembre, en tenant à l'initiative de notre ministre du Développement des archipels, la première conférence des élus des archipels. Cette démarche sera naturellement poursuivie. Le second chantier qui me tient à cœur, c'est le développement des communes. Mon mandat de maire de Borobora, mais aussi mes fonctions à la tête du syndicat pour la promotion des communes, m'ont conduit à beaucoup travailler sur le sujet, et surtout à écouter et comprendre les besoins de la grande majorité des maires de notre pays. Nous le savons tous. La commune est aujourd'hui devenue un rouage essentiel de notre organisation administrative, de notre vie sociale, économique et politique. Un élément de proximité auquel chacun d'entre nous est très attaché. En ce sens, l'institution communale a acquis dans notre conscience collective ses lettres de noblesse. Elle est devenue un partenaire à part entière des actions propres à l'État ou au pays, trouvant même dorénavant sa place au sein de notre statut d'autonomie. C'est ainsi que plusieurs dispositions de cette loi évoquent les communes, notamment en instaurant la possibilité d'un concours du pays pour l'exercice de la compétence, en complétant dans des domaines très importants de la vie de nos concitoyens, la liste de leurs compétences, jusqu'à leur offrir, sous réserve du transfert des moyens, la possibilité d'intervenir dans des domaines relevant des compétences propres du pays. En traitant enfin de la question des relations de partenariat ou d'appui technique, humain ou financier, ouvertes entre les communes et le pays, dont celles intéressant le fonctionnement du Fonds intercommunal de péréquation, le FIP. Toutes ces dispositions sont importantes. Elles doivent donc trouver à s'appliquer dans les meilleurs délais, tant dans l'intérêt même des communes que du pays, qui trouvera là un relais ou un complément à son intervention.
Je m'engage donc à faire clairement de cette question l'une de mes priorités d'action, dans un esprit que je veux très constructif et de large concertation, à l'image de ce que nous avons initié récemment avec la première conférence des élus de la Polynésie française. Je souhaite également vous proposer très rapidement une loi de pays pour étendre aux communes notre code des marchés publics. Les relations entre les communes et la Polynésie française ont aussi un aspect financier vital pour toutes les communes. Outre le FIP, qui prélève au profit des communes 15% des recettes fiscales du pays, la délégation au développement des communes permet le financement des projets précis. Les critères d'attribution de ces subventions ont fait l'objet de critiques et de contestations, et on l'accepte. Beaucoup de maires ont souhaité que le montant du FIP soit relevé. Le Tahoe et la Wiratira avaient amorcé des négociations avec l'État pour que le FIP soit relevé par un effort conjoint du pays et de l'État. Nous poursuivrons ces négociations et relèverons le FIP dès 2006 par une augmentation du taux actuel de 15% de nos recettes fiscales, dont le produit sera réservé à des opérations d'investissement. Avant la fin de la mandature, mon objectif est de donner aux communes une véritable autonomie. Outre l'augmentation du FIP, j'envisage, en accord avec la nouvelle loi statutaire, de garantir la mise en place d'une fiscalité communale permettant à nos municipalités d'assumer pleinement les missions du service public qui leur échouent. Naturellement, dans ce domaine comme dans tous les autres, ma volonté de réforme s'accompagnera d'un souci permanent de transparence et de concertation. Tous les maires seront associés à la préparation des mesures que j'envisage. Mesdames, Messieurs les représentants, je suis conscient de l'importance des responsabilités que je sollicite. Je suis prêt à les assumer dans le respect des engagements pris, dans un esprit de tolérance et d'ouverture. Quel que soit votre choix, je le respecterai. Si le Tahoe et la Wiratira doit retourner dans l'opposition, il le fera. Il respectera le président que vous aurez élu et le gouvernement qu'il formera. Nous jouerons dans le respect de la loi, sans agressivité, mais sans compromission. Notre rôle de parti d'opposition, rôle indispensable à l'équilibre de toute démocratie. Quel que soit le résultat du vote ce matin, j'appelle tous les élus et tous les électeurs autonomistes à construire ensemble, sans préjugés, sans querelle de personne, un vaste rassemblement des forces autonomistes afin que notre pays puisse être gouverné comme le souhaite la grande majorité de la population. Nous devons nous unir pour que vive la Polynésie française. Maru. Et au Hérema, tu pourrais n'y être à ta. Autant de Pinoinan,
Victoria. Ouat ora tenuna que t'aimais pâté on est en antique et tire de cafota que t'y amar a durit à tata taïté. Je t'y ai tato namero paéhur mahitur de capor arhaï. Amouinoa toi tato il turita pour horora. Aïe de ouetia durire au faru et tato et tato boubou pour le dita. Moria, ara ita dato autira. Eto to ite mai dira ite pohio nei ni amatai, ya ite reo to uta e eito. Wa tu bu tu mai mai rai riti to tau anunga. E wa te ro drama e ni ita dato mo tomari. I paro e dato I muri no mai tata do mai di rai te maure o i te pira i te tiara e. O e no rawea. E hei mei e te hauri to i to tato whenua. A taho e tato. E atu i te hauri to i tato. Noria. Nā whea tātou no te whātupu i te e hau i tō tātou hōera. Te hapapuro i tāraparau e tō hoa i e reo i nui te rārātio i tītā oe. I te parau tā e, tārāti te rau ea, me te pē te wei rātramana hohonur si tātou. Hā mau tātou i tō e whātarera āmui. Vēsio i tō tātou mō pēpē e titi. Ia hau i te metua, E hau I tāna mō tomari, tō tāua I anu nā. Rara, iap aturahia te tātātāt e tei. Iap aturat ohia te mō bubu porosita. Iai tāra tō anhora. Me te peo e hinyaro tātō I hamo I tō e whaterera amui. Ya amui na aratai porotita. No to tato whenua. I hera wahi e te hupara to I te poiri. Ya to uhi ara I ilmu ai te mararuma o te taato ara. Noria, te amui nei tato no te mai ti to tato perekitini. Tai hei ngaro hea maruru mai teito tātou pirikitini. Paramau, te tanora amo hoa, te tata mata amo ai tāpa oi tōna I oa, te tata mata amo ato ai e paraparau mai. E te tata hopea ai tāpa oi tōna I oa, te tata hopea ato ai e paraparau mai. Wa te hei ara, e tō tātou ahu pairti tere mau te atua, nārato e te huti tāre rora. Whahoe hoa te atua te hupatia nge te hupatia. Amaruru tātou I tō tātou atua. Noria. Ai te wetau I nei tau mana. Perekiti nei te amai ananhai. Katerei tō tātou whenua. Ai mi te rawea. Pataho e nabubu porti tātou. Piriuri amui. E hata hupa e te ei rawe amui e tatu. Tu mai te rai tāna, tu mai te rai tāna. A tu mai tōna mau te awhatare hau. Ia nā rāpai mai te are. Nā rato rai te pupu I te ai. Mō tā mātou tā pura hupa. E tō e wahi te tū I te mau hupa rawe rei o te rawe hia mai. O tā oe tō e paraura e. Mēr hei hoa te hupai rau hei ertu I tō tātou whenua, maruru mai tei. Tō e whaari rai te rāparau. Wō titiri a prauri tātara hei ertu I tātou apora ar hei te mahana paim eri e nei. Nā tō mātou me tua perektini Gaston Flas. Ei te ia tō uman a hoi ahu mai, I ngā tō mau mea o te rau hei mai,
yarabai khimati ti tene temi anwara ta awe yani tatu pari pari tra prowe worilo teye metua o gaston flos e aito o tei pupuyana er tei tiara no tmei tei to tatu finua O te iaro i te aro rai, manu ia mai tato i te ia papature, tatato i whanau nei te ia mhana. O te i paipai to tato whenua ni ti tei wahi mai tei. Inia ait mo whenua toa i rito i te ia moana patitifa. Ehi ora na te ao tato. I whariu mai ai to rato mamata i ngai tato. In out oro i te parawe, te mea hin arohi ai pōan ai tona ratau. Te iet me tua, o te rawei taua uhipara. A toit mou tapura o hapi, taure man ore i mua i tatou, i whar oro no e o i man o, tu tatou aito huru taua to ora, na ono tururitu ya ue, Taburo hipa pate i ara taho e rahu i ratire te iho hia maita. Ohi e no tura ia tau purabarau ai te mhana. O tiri te iho hia maita u aera. Pero no tua hautura. Ai te wahi tae. Te ora rato tiare. Te rā no hoa. Te pē no tiro atumu. Ai te ho e parau a. Noria. Hau tātou e. Pahapai e tati tei. Apiruri maite. Apiruri maite. Noria, pai ato umana i o. Iai tera pura ue. Uamana mai o toi ni tera pura i tae tau. Iai o mai o to. Ahi o mai nei mato. Ai ti tau i. Ai ta. O to mea o te atiri o tau e. E te amai to mato piriki ni nei, pero pura watu i o tau. O e tere te amai rei nei. Tera. Ahani tu ara o tau i tau i to o tau te ano te harame i nei. Wa tupu ia tera pura ue te tau i tu ara o tau. Noria. E hā tō tātou whenua e whiwhi ai teie mhana. Ora mau, whahapa tātou i tātou ture mai tira. Tara prim hāme i tehi ai oto. Wāuro i oto i teie mhana. Noria, te pihuanero i tātou. Nā te apurti tātou. I roto i te apurārhei, tēnā tui tō rāpā. Te ore manu ia i tei horora. E roi amu i tātou, inei te ietum parau. Perore, ai te rūra, hamatahi a tau ohipare i pari, tātou i tiare rai pari, ere anai, tau tēa. Tarimaro tātou i tau a parau. E waho e tō tātou mana, naria. Paho e inei tō e ture mai tira tano no tātou. Nen he tmau tia purti tātou. E tia mai rite te apora arhai. Nārto i tōna tiamāra, e tāna arataira. Tarāta mea hi aruhia, e te anine i tātou. Whahare te iehupā i tōna hopea. Tō i te ora rato tiare, e te oe parau ahatu i te parau no RST, PSG, han atua, timu i tātou. Te o ti rato tātou ai te ie mai tei. Nā wai whiruri mai, te ie. O mo e tohi a tōna parau. Tā unua rai pura i tātou. A maut purtita te ora rato tiare. No iriti meir ai te e tāta e tupei ti ti whiwhi. Ia mau ia nai tōna ti amara a metua. Whātere i tōna orara. Meki pēja api, tēno tu te pēja pāri. Amana tu rau ai te rā parau pāri e. Tio e metua. O te herei tāna tamari.
Iharo tu hare tai ei te ya. Utwatam ayan. Hab irayana na fei di tai ya. Eorai onanan hai. Terat habida. Terat borjita. Meti ayar tehia. Tato yututi orat at putiari. Yadenu nai titi tata to burdita. Rara, ehare tata to burdita no tiamait eit a teora atinun air ditona ora a tutiare met pewe e hotu mait eit tata to finua. Nafia tata eit fahotu ito tata to finua. Promo parira ratre trava eit teno tuit fabu. Wodit oal chetta trahia. Ito uhoa eito e aru aera. Tranoa ea tapura i tita tato, ai tita ui. Rotoro e tahi ora, whahotu i te whenua. Nā rotora e te aurora, iauraro rai to tato awa natura. Nā rotora e te auraro to ara, i te peutumono to tato whenua. Ie, mita oe brau i te mana paim arienei. Ehi o noa e te pohu ar au te whenua. Ehi o toara tato e te pohu ar au te tato. Ine i tona whenua. Tua te tue te umana aine te parauno to tato ureo. Pena o noara tato e ahani peite e reo i to tato. Whauti ia mai nartu i te whauti ra mana e reo mana. Roto e te orar ato tato whenua. A ua i te tātātō mō tamari i te parau te reo teiti. Aita, te hapera tātō. Whāro tātō i tātātō mō tamari i te iemhana. Ua i te ane ona i te parau teiti. Ua i te ane ona i te parau parani. Ua parbaru ona i ngā reo tōpiti tōara. Pāpō mai te te parau. Ua i te hape. E ua i te tumu. Pahapa i tātō iso. Namua tato, nani eito tato, ti ara metua. Voiso nei. E tamar ita. Ai te ite parou teiti. Me pia pia no ratou. Mau ite a. Pene ato pā. Ai tata tato i rau ea. I rau ai meite e retoi tumo whare hapita. Nawai anei, nawai ore anei tumo oro metua. Te ani nei tātou i tō tātou perikitini api whātere i te ie whare tāpi a tuatoru. Aha a whaitu i tō mai. Iaro a mai a te te mo oru matua. Iaro ai mai te tātou. Roto i tā tātou mo hapi. Parau tu anō tā tātou hapi a. Parau rei tō atara eritu i tā tātou mo parau rā eritu i te apora rei. Te manuia nei tātou. Aore rea heita. Ia hei hoi ato tato mo tomari i teini di te whaito. Te ro ane i protu i te ara rea heita. Tēnā o nei hei tato ue, tato i tumana i tato mo wharehapira. Te hia o e pori ne te ara te e wharehapira i tato. Iha no te reo no. No te whiruri atoa, me tano i tia hiare te tato, tuhi ara te tato mo wharehapira. Ia roi mai tō rapa. Atu no mai nei, o mō tu eri tītei o tātātō mō tamari, e i te tapa. Nā tātō imi te rawea. Ia tua te mei tei, tātātō tāre na hapira, e te mea e tanuhia i tātātō mō tamari. Nōt mō oi pararhai, e roi tātō. Te hea matahia mai, au tiro. Nōt mō oi pāpira, te whare i tōnei mātou i tō mātou mau hape. Wa rūhi a pāti tei mau ohepa. Te ti atu nei i mua i o tōn me te paraut ae. O puano atu tātou anam hei, whātu pui tō e hupara rai. A pāpū i mua i te aro tenu nae, nō tōna mai tei tei e mau ohepa. Ia marmarma mai tei te tātou ar e te kiapora rai. Nō te mea, nā oe te apora rei mai ti te moni. Nā oe ato oe horo ai tō e manu. I hamai te tohi ara tumou ohi pa i rau hei amai.
Les deux candidats ayant exposé leur programme, nous allons maintenant passer aux opérations de vote. Je demande donc à Madame Jeanne Santini, secrétaire générale de l'Assemblée, de donner lecture de l'article 28 du règlement intérieur et des articles 70 et 122 du statut, pour que tout le monde comprenne bien comment les élections vont se dérouler. Madame Santini, vous avez la parole. Monsieur le Président, l'article 28 du règlement intérieur prévoit que le scrutin secret est de droit dans les mêmes conditions que le scrutin public. Alors, pour procéder au scrutin secret, chaque conseiller reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée de la Polynésie française et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Ils s'assurent que le nombre des bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit ostensiblement et à haute voix les bulletins, l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus. Le résultat est ensuite proclamé par le président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin équivoque, s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin, donne lieu à un nouveau vote. Quant à l'article 70, alinéa 1 du statut, précise que le président de l'Assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut commissaire. L'article 122, alinéa 4 du statut, concerne le vote par procuration. Il précise que le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'Assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame Secrétaire Générale. Madame Cluchot et Monsieur Anderson, pouvez-vous présenter l'urne vide à l'hémicycle, s'il vous plaît? Je demande au secrétaire de distribuer. Je demande au secrétaire de l'Assemblée de distribuer maintenant les bulletins. Trois formes de bulletins. Monsieur Oscar Temaru, Monsieur Gaston Tongson et le bulletin blanc. Et l'enveloppe.
Le scrutin est ouvert. Madame le secrétaire général, faites l'appel des représentants à l'Assemblée pour maintenant procéder à l'élection du président du pays. Madame Algon Emma. À voter. À voter. Madame Big Sabrina. À voter. Madame Bouzi Heraro Auxilia. À voter. Madame Bob Dupont-Tamara. À voter. Monsieur Buissou Jean-Christophe. À voter. Madame Bouton Nicole. À voter. Monsieur Carlson Jean-Michel. À voter. Madame Chinfo Rosina. À voter. Monsieur Drôle Jacques. À voter. Madame Flore Romance. À voter. Monsieur Flos Gaston. À voter. Monsieur Foster Temauri. À voter. Monsieur Fribourg Jean-Alain. À voter. Monsieur Fritsch Edouard. À voter. Monsieur Géros Anthony. À voter. Madame Haïti Pascal. À voter. Monsieur Anderson Georges. À voter. Madame Irshun Unutea. À voter. Madame Iriti Teura. À voter. Monsieur Kohumoitini René. À voter. Monsieur Lison Marcelin. À voter. S'il vous plaît, le public. S'il vous plaît, madame.
Madame Maria Emma. À voter. Monsieur Maria Uratena. À voter. Monsieur Mataoua Mairon. À voter. Madame Marty Juliana. À voter. Madame Merceron Armel. À voter. Monsieur Moutam Thomas. À voter. Madame Naya Teripaya Amaron. À voter. Madame Olivier Marie. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Madame Pater Delia. À voter. Madame Persegal Daniel. À voter. Monsieur Rapoto Jean-Marius. À voter. Madame Richton Monique. À voter. Monsieur Rivetta Frédéric. À voter. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Sandras Bruno. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Monsieur Sommers Eugène. À voter. Madame Taïro Lissette. À voter. Madame Tahiata Chantal. À voter. Madame Tahuatama Juliette. À voter. Madame Tama Françoise.
à voter. Monsieur Tefarere Hirohiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar. À voter. Monsieur Térématé Ruben. À voter. Monsieur Teriteo Roberto. À voter. Madame Deloitte Sylviane. À voter. Madame Tétonou et Patricia. À voter. Monsieur Tétonou et Noah. À voter. Madame Tétonou et Lana. À voter. Monsieur Tongson Gaston. À voter. Madame Touchaud-Buyard Catherine. À voter. Monsieur Veraroa Howard. À voter. Monsieur Bombastolaire Raymond. À voter. Monsieur Vernaudon Émile. À voter. Enfin, Monsieur Yip Michel. À voter. Le scrutin est clos. J'invite les deux secrétaires de séance à me rejoindre à la tribune, s'il vous plaît, pour les opérations de dépouillement. On vérifie si effectivement il y a 57 bulletins.
57 bulletins trouvés dans l'urne. Gaston Thompson. Quatre Gaston Thompson, un Oscar Temadou pour l'instant. Oscar Temadou. Oscar. Un blanc. Gaston Thompson. Oscar Thomas. Oscar Thomas. Gaston Thompson. Gaston Thompson. Oscar Thomas. Gaston Thompson. Oscar Thomas. Oscar Thomas. Oscar Thomas. Oscar Thomas. Gaston Thompson. Oscar Thomas. Oscar Thomas. Gaston Thompson. Oscar Thomas. Gaston Thompson. Oscar Thomas. Oscar Thomas. Gaston Thompson. Gaston Thompson. Gaston Thompson. Gaston Thompson. Oscar Thomas. Oscar Thomas.
Gaston Tangson. Gaston Tangson. Oscar Tumar. Oscar Tumar. Gaston Tangson. Oscar Tumar. Oscar Tumar. Gaston Tangson. Oscar Tumar. Gaston Tangson. Voici les résultats. 57 représentants présents, 57 votants, 57 bulletins trouvés dans l'urne, 2 bulletins blancs, Oscar Temaru, 29, Gaston Tangson, 26, En conséquence, je proclame M. Temaru élu président de la Polynésie française avec 29 voix. J'invite M. le président à prendre place à la place qui lui est réservée. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les photographes, à vos places, s'il vous plaît. On va pas suspendre la séance à cause de vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à vos places. S'il vous plaît, à vos places, s'il vous plaît. Vous aurez tout le temps tout à l'heure. Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Parimea Tetap Ono Terofo, Terofo Yarhai. Hier au soir, je me suis mis à écrire quelques mots. Et je souhaiterais vous les communiquer. Opori Onutei et Erofone Yao, Tefana Yahurai. Le 13 février 2005, les électeurs et électrices des îles du Vent ont accordé leur confiance sans contestation aucune à l'UPLD.
Aujourd'hui, 3 mars 2005, les représentants du peuple ont tranché. Ils ont confirmé le choix électoral du 13 février dernier. Cette décision est limpide. Ce vote doit être respecté. Aujourd'hui, Monsieur le Président, personne n'a le droit de vous retirer cette légitimité venue des urnes. Aujourd'hui, vous assumez de nouveau les fonctions de président du pays, de président de la Polynésie française. Vous êtes donc le président de tous les Polynésiens et de toutes les Polynésiennes, quel que soit leur lieu de résidence, quelle que soit leur conviction politique, philosophique et religieuse, quelle que soit leur hiérarchie dans la société, le président de ceux et celles qui ont voté pour vous, comme le président de ceux et celles qui vous ont combattu durant la campagne. Vous êtes, n'en déplaise à certains esprits chagrins et peut-être quelque part encore revanchards, notre président, et non plus Tavana, ou simplement le président du Tavini et de l'UPLD. Vous êtes le président de tout le monde. Il va vous falloir beaucoup de tact, beaucoup de finesse, d'intelligence, d'ouverture, de diplomatie, mais aussi et surtout de fermeté pour mener à bien la gestion des affaires du pays. Mais je sais que vous saurez y faire face. Sachez que pour notre part, nous serons à l'Assemblée des élus, responsables, vigilants et décidés à faire avancer notre pays sur la voie du progrès économique, social, culturel, et ce, dans le respect de nos différences idéologiques en particulier. Je formule le vœu que le gouvernement que vous choisirez sera un gouvernement réellement ouvert, compétent, décidé à travailler pour l'intérêt supérieur du pays, conscient de la difficulté de la tâche qui l'attend dans tous les domaines de la vie et non pas un gouvernement partisan. Rassembler et partager doivent être, à mon sens, les deux mots phares de notre action quotidienne. Je formule le vœu que les hommes et les femmes qui composeront le prochain gouvernement seront tous et toutes animés de cette volonté de service public, seront tous et toutes imprégnés d'amour de ce pays, d'amour de son histoire, d'amour de son peuple, d'amour de ses populations. Président, le chemin sera toujours parsemé d'embûches. Tout recommence véritablement aujourd'hui. Les journées demain seront encore plus longues qu'hier et les soirées encore plus courtes. Ensemble, tous ensemble, nous nous devons de relever tous les défis, qu'ils soient institutionnels, statutaires, électoraux, économiques, financiers, fiscaux, sociaux, éducatifs, culturels, sanitaires, démographiques, et j'en passe. La Polynésie n'appartient ni à l'UPLD et à ses composantes, le Tavini Hui Atira Notea Maori, le Aya Api, le Here Aya Tenun Ayaora, le Yamana Tenun A, Ooet Orima, He Ura Le Ver, Tehono Etau Tehono Owi, ni au Tahuera Ahui Atira, ni à l'ADN, Feti Api, Nooet Tenun A, encore moins à la République. Elle appartient à tous ceux et toutes celles qui l'aiment, qui croient en elle et qui souhaitent qu'elle grandisse, qu'elle devienne demain majeure dans tous les sens du terme. Cependant, notre Polynésie a besoin de tout le monde, de tous les partenaires institutionnels, politiques, économiques, sociaux, religieux, associatifs, tant locaux que nationaux, voire même internationaux, pour que demain,
elle puisse devenir, lorsque toutes les conditions seront réunies, et seulement à ce moment-là, à l'instar de la République, une et indivisible. Jusqu'ici, on a parlé de la Polynésie au futur. Aujourd'hui, 3 mars 2005, Monsieur le Président, vous lui donnez un avenir. Vous avez la parole. Kiorana iterofono te atu ai totatu fareri faura muri mai te mai te atatatu i fanhoi hunei. No ui tawanae, no ui ariai. Yarneo yariro te parau i parau no tatu pa atoa motia te mai te mai te anuatu te ore mai te mai. I haia mohi e tatou e te veira onei ni ai tatou, te ora ai o te e parau. E te manone au e wha whaarohi atua te e parau te e mhana, i te mea e, e te pune i te e hepa e rutu i tu tatou whenua, e piti noa tau po e mhana, a arue atua i tatou, i te parau no te taira mai te vaneria iru tui tō tātou whenua. Tā utua hinaro nei ti tau manihini i tātou. Ia o atua tātou iru tui te arue rā, te i oroa pure rā, e tupu rei te pā, no māti i te tau o pātē. Tā eno atua i te tei mo oroa e whātu kuiare iru tui tō tātou whenua. Ia rato nei o hea maruru i te peritini o te taritia, o te ti tau manihini rā mai i tātou pā atua. Ia vai, te parau tō tātou whenua i rau ai tōna marumaru. Mō parau i parahui o parahui a te parahui o parahui. Te hepa e tōere i mōi tātou i tēnei, ai tū e man au e nēn he tātou i whaap a e i tātou i ai te mō man au tai whaat ohora i man tūma i tō tātou hoa, tōta mōmutu e tō ngi amata ai. Tō mea hui te meite i tātou i tō tātou man au, rito i tūmau au ai meri anei, ia whaaturuhia tō tō mōmutu. Ia maiti a tō 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 mōmutu. E ai tō tō i whaat i mai. O whai te mātu i tō mātō tāpa o whaatua. I te tā tō rā. Ia hoi, e i hupai mua i te aro te nūnā. E ai tō e tō tō mōmutu. I whaaturuhia. I te mea rei te e teme te wenei te manatau i tenei e. Te hini arora e tau iwi ho ahua at whanhora. O te ture mai tira, eri na mātou te ture hiamani na oto. No te hea tau iai. E rau e rata tu iti hupa, e uti tu te e nāpu e matahiti e mha. Ia i tarata i rā te ture. I rato i te ri aro a taimeta tu e tua tāpapahai. Te mau ahei, te mau idawa. E tano i a tua tāpapahai e tata i hia i hamai te hia. No te tupu rupu puera a te parau no te orara porotitat i mira fofo a te orara to tiare i roto i to tātou whenua. Tō mātou i o manaota i vovo i honei aru e honei. A utope ari iau e ai te oi pahono mai ta au i rā. Ai no oi pahono mai ta au i rā o mai ti pōro o mātou no hoa. Ai te repea pēa. O mai te tei manao i roto i au e trahi tiro i te parau no te whenua i mua mai maewa. Utu maoro, taburu hepa ia tarai rau hi ari, o aju i dee hata taburu hepa e nien he rau, e nguan uraro. Toku manao me tano paha, hamani hoi museo, e nguan uraro. O hoi museo no tmo hepa kararabura, hamani vaio. Ondi haa. Tarat hi aere heu tō tātou nunā hina roa ia tupu te tau hira i roto i tō tātou whenua. Iei te tō tātou nunā te hearera tāna tuatai hia. Maruru roa i tera manao tā oi o umai e whaharet fofu a te ori nia. Tau tui whatopa. Nau tui whatopa. Nau tui hawewe tumo oire. Nau tui hawewe tumo oire.
maruru mai tei maruru mai tei dramano amuie fahare de hoa udei mua no te mota puro hepa e ina no yare era we iro toi trauire atia tu tatu venu te tia turi neu e ni tatu pato no te fahare rai te prouti mina hoa tu tatu venu e mua te venei to tatu hui to fa te venei to tatu mau irititure te te piau hepa te venu frani no trau e amu irai te hepa no ti mirai te maitai o te tatu rai te to tatu venu ma te hio ore te huru trapu porti tae veneru tui to tato whenua. Rata mana, maruru ai te arwhanu te atu ai te tato. Mai ki ramai, i o rana. Sure tu saplema, kelko mo remercie tu sure tu cel ki mo elu, a set pli o tu tash, de gérer les affaires de notre pays, et remercier également ceux qui ont participé, qui n'ont pas voté pour ma candidature. C'est comme ça, ce sont les règles de la démocratie. Mais je voudrais rappeler que le 3 mars, cela veut dire que nous avons pris une décision 48 heures avant la journée du 5 mars, qui marquera toujours une page de notre histoire, c'est-à-dire l'arrivée de l'Évangile. Dans notre pays. Pour rappeler à tout le monde que nous sommes tous des responsables élus, civils, politiques, mais également nous sommes tous chrétiens. Et que si nous sommes chacun à sa place maire, représentant du peuple, parent ou pasteur, tous ceux et toutes celles qui ont des responsabilités à assumer, ne n'oublions jamais que nous sommes sous son regard et sous sa protection. Et inviter également tout le monde à participer ensemble à cette fête pour que la paix revienne dans notre pays. L'arrivée de l'Évangile, c'est aussi la paix. Bien sûr, j'ai pris quelques notes sur l'intervention de mon collègue, M. le maire de la commune de Bora, qui souhaite aujourd'hui le prélèvement du taux de perception au niveau du FIP pour aider les communes dans leur projet d'investissement, n'est-ce pas? Mais j'étais au Fonds intercommunal de péréquation en 1990. Ça n'a pas été notre initiative de baisser les moyens financiers qu'on accordait aux communes à l'époque, qui allaient jusqu'à 25% de taux de prélèvement. C'est bien vous qui avez décidé de baisser, de squeezer les communes. C'est de 25 à 22, 17 et 15% aujourd'hui. C'est vous qui êtes à l'origine de ça. Mais enfin. S'il vous plaît, laissez le président parler. Mais enfin, aujourd'hui, merci de nous rejoindre sur ce plan-là. Nous allons tous travailler sans esprit partisan pour notre pays. J'ai été élu président de notre pays. C'est une tâche, comme je l'ai dit, difficile, complexe. Je compte sur la participation de tout le monde pour faire avancer notre pays, pour le développement. Ce pays ne nous appartient pas. Ce pays appartient à nos enfants. C'est à nous de travailler dur, comme il faut, pour l'héritage dont mérite cette jeunesse qui nous attend, qui attend beaucoup de nous. Messieurs, dames, je vous remercie d'avoir participé. Un dernier salut aux marquises. C'est grâce à vous, aux marquises, à personne de Jean Alain Frébeau, que nous avons eu cette majorité aujourd'hui. Maruru Yorana. Merci, Monsieur le Président. Nous avons terminé avec l'élection du président du pays. Avant de passer au dernier point de l'ordre du jour, je demande à Madame le Secrétaire Général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Monsieur le Président, les représentants de leur dossier pour leur information, le relevé de la correspondance du 31 janvier 2005 au 24 février 2005. Voilà, Monsieur le Président. En ce qui concerne la convocation de la prochaine séance, si l'Assemblée en est d'accord, je vous propose de laisser le choix de la date de la prochaine séance à la diligence du président par intérim que je suis.
On est d'accord? À l'unanimité, à l'unanimité. Mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs du public, chers amis, nous avons épuisé notre ordre du jour. Je vous remercie tous d'être venus. La séance est close.